Bien en direct de bienvenue en ce 5 septembre W17. Il est midi et quelques, en espérant que tout fonctionne bien. Alors, pourquoi qu'il y aurait un jugement dernier s'il n'y a pas d'abord un jugement premier? Et le cinquième jour, il leur dit, à 48 plus 2 mois, plus 8 jours, comment qu'on va faire? Vous avez bien compris que dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Pas compliqué. Tu es au point A, tu meurs au point B. Je le redirai des milliards de fois. Dans l'autre sens, c'est la vie de ton esprit. Le but du jeu, c'est d'atteindre la bonté, ce qu'ils appellent le nirvana. Tu vois? Aussi vite que Senna, comme Beregowa. Putain, Beregowa était fort, il s'est mis 2 balles dans la tête tout seul. Masonic! Masonic, sa mère. Alors voilà. C'est la fin du pouvoir, du mensonge et de la corruption par l'argent. Tu vois? À partir de maintenant, chaque âme ne peut plus se vendre et plus s'acheter. Et le cinquième jour, il leur dit, ça y est, la rédemption en place. Je ne veux pas démarrer 2018 s'il n'y en a pas un petit peu pour tout le monde. Maintenant, les banques, les machins, c'est tout fini. Il faut tout mettre dans le TPU, Trésor Public Universel. Quand je vais reprendre le yoga, je vais créer l'association, voir la fondation. Fini, on ne paye plus les PV, les impôts, les merdes, toutes vos lois de merde, les lois des hommes, c'est fini. Non, on revient dans la loi de l'esprit. Pourquoi tu es vivant? Pourquoi il bat ton cœur? C'est pour faire que de la merde, pour travailler comme un esclave, pour payer des impôts, pour les enculer? Ça va pas, non? Maintenant, les députés, on va les appeler des réputés. On va changer le système. Tu vois? Entre les rêves d'hier et d'aujourd'hui, laisse tomber les vrais songes. C'est du bastos. Là, on est dans le monde du très tout puissant. La connexion tertielle. Tiens. Tes pieds, ils touchent par terre. Et ton cerveau, il touche quoi? Il touche rien. La noosphère aussi. Bon. Tixé à 4 bits dans le truc. Et pourquoi quand t'arrêtes de boire, on dit du délirium très mince? Moi, c'est du délirium très gros. En fait, de boire, tu nourris l'esprit. Ça permet d'en suquer les 10% du cerveau qui servent à rien pour penser librement, sans télé de merde, sans pub de merde, sans... Tu vois, truc comme ça. Hier, j'ai quand réparé le fauteuil à Tata, la manette est cassée. Bon, il y aura un nouveau fauteuil dimanche. Par contre, chez Tata Laura, qui n'a même pas besoin de code. À peine t'allumes l'ordinateur, il est connecté tout de suite. Et pour transférer les films, ça met 1 minute la minute. C'est génial. Là, il y a la femme de ménage qui vient d'arriver, Patricia. Et j'avais mis la patate en forme de cœur dans le frigo avec un petit mot. Patatricia. Il me fait rigoler. C'est gentil. J'ai dit, bah écoute, c'est le moyen du bord. Hein. Sinon, ce serait un bouquet de fleurs. C'est bon, c'est gentil. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une foi du tonnerre de Dieu. Qui, entre autres, est le directeur d'induction d'énergie universelle. Enfin, ça aussi, je peux le dire des milliards de fois. Et le diable, de nos jours, c'est le directeur d'intelligence artificielle perdant l'esprit. C'est exactement ça. À la télé, il n'y a que de la merde. C'est tout du manipulage d'opinion publique. Ne pas prendre les Français pour des cons, il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Il fallait trouver un compromis entre dégage Bougnoul ou Maghrébin, ne partez pas tout de suite. Non, c'était super les inconnus. Le meilleur prophète, non reconnu avant moi, il n'y a rien à faire, c'est Coluche. Ils m'ont fait le coup du camion aussi, faut pas croire dans l'espace-temps. C'est ça qui vous manque comme dimension, l'espace et le temps.
Et voilà, qu'est-ce qui manque au ministère de l'Inéducation nationale? Parce que c'est que de la merde, en fait. On n'apprend pas l'âme et sa résonance, on n'apprend pas l'espace-temps, on n'apprend pas la subconscience, on n'apprend pas la supraconduction synapsoïdale, en fait, on n'apprend rien. Ça fait qu'il y a 90% de chaque cerveau, de chaque humain, qui sert à rien. Il n'y en a que pour le pognon, c'est le diable, c'est le genou. Voilà, 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 mon petit journal du 5, là. On va essayer de le diffuser pour le 14h. C'est rigolo. Imagine, j'étais né le 28-6 et ma Vierge Marie était née de 86, à la Cabrelle, quoi. J'ai trouvé ma Vierge Marie à quelques heures d'Airbus d'ici. Et comme j'étais arrivé en avion, ça faisait... Il y a un truc qui passe fort, qui fait du bruit, là. Je le vois pas. Et ça faisait... Moi, je viens du ciel, et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Ah, c'est sûr que... Pourquoi la Vierge Marie? C'est sûr qu'elle est vierge d'esprit. C'est comme vous. Maintenant, si ça se trouve, ils ont tué 15 moutons, elle est mariée 15 fois. Mais il n'y a toujours pas l'acte, ça j'en sais rien. Si ça se trouve, elle a 3 gosses, elle a 2 gosses, on va savoir. Oumad Myriam. T'étais tellement beau, j'y croyais tellement. De toute façon, depuis, j'ai pas touché une bonne femme. Si une fois, j'ai bouffé la chatte à la Sophie. C'est tout. Et on se marie qu'une seule fois devant le bon Dieu. Surtout à la lune d'Annonciation 2009. À la cascade, il y avait la cascade de la Vierge, il y avait le lion d'Ifrane, il y avait le lion de Garibaldi, il y avait... Tu vois, faudrait plus des machins secrets, c'est comme les secrets défense. Tu vois, la franc-maçonnerie de nos jours, c'est vraiment de la merde. C'est ni franc ni maçon. Moi, je verrais bien une monnaie universelle, justement, revenir au franc, mais sur toute la planète. Parce qu'un franc, qu'il soit franc, pas besoin qu'ils soient maçons. De toute façon, ils n'ont jamais porté un sac de ciment de leur vie, ça. Le chef de pénitent bleu à Garibaldi. Tu vois, hier, c'était le premier dimanche de mois. J'ai raté son coup de boule. J'aurais mis un coup de boule. Mais par contre, à la fin, je mettais plus de baffe à Ciotti. Alors, je sais pas. Je me tape. Peut-être que mais non, nous on croit pas en Dieu. Ce qu'on veut, c'est du pognon. Quand il m'a dit ça, ça m'avait fait mal. J'étais rentré, j'avais chialé pendant 4 heures. Maçonnique, sa mère. Oui, mais le noviciat, tu sais, c'est... on se croira au bled. Bon, c'est 4 ans, mais je t'arrange, je te le fais en 2 ans. Il n'y avait plus que 11 pénitents bleus. Alors, je voulais faire le 12e. Comme l'histoire des Polonais, là. Voilà, voilà, voilà. Ben ça, je vais l'envoyer pour le 14h.